Bonjour. Quel souvenir as-tu de tes rentrées scolaires? Je me suis posé la question. Je me suis même pas mal creusé la tête et je n'ai rien trouvé. Rien du tout. Il faut dire que mon parcours dès que je suis née n'a pas été ordinaire. Ma maman, à ma naissance, était hospitalisée en orthopédie et y est restée plusieurs années. À 9 mois, j'ai donc été placée à l'assistance publique et je suis allée de famille d'accueil en famille d'accueil. De cette période, qui a duré à peu près jusqu'à mes 5 ans, aucun souvenir de rentrée scolaire. D'ailleurs, dans les fermes, tous les bras avaient de l'importance, même ceux des petits. En revanche, je me souviens des vaches que j'avais gardées, des chiens, des cochons et des chevaux dont j'avais très peur. À partir de 5 ans, j'étais avec ma maman. Je ne sais plus vraiment quand. Notre premier appartement était situé rue de la Goutte d'Or à Paris, dans le Courtier. Dans le quartier de Barbès-Rochechouart. Enfin, je dis appartement, c'était une seule pièce, avec un point d'eau froide, un réchaud à gaz et un poêle à pétrole comme chauffage. Le WC était entre 2 étages. Comme la guerre d'Algérie sévissait, nous avons dû déménager. Nous avons atterri à la porte de Vanves. C'était pas mal la porte de Vanves, mais l'hiver, il faisait froid à passer au-dessus du pont. Même type d'appartement, et les WC étaient toujours entre 2 étages. De ces 2 périodes, je n'ai aucun souvenir de mes rentrées scolaires. C'est à se demander si l'école existait. Pourtant, j'allais bien quelque part, car ma maman travaillait toute la journée. Quelques années après, nouveau déménagement, dans un vrai appartement avec 2 pièces. Mais comme les précédents appartements, pas de chauffage, et c'était... Mais il n'y avait toujours pas de WC. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceci était sur le palier. Il faut savoir que durant de longues années, les appartements à Paris, loi 1948, sont restés dans l'état qu'ils étaient à leur construction. Là encore, pas de souvenirs de mes rentrées scolaires. Mes souvenirs se limitent à l'endroit où se situait l'établissement scolaire, à 10 minutes à pied, à peu près. C'est tout. Ensuite, lorsque j'étais en pension chez les bonnes sœurs, de bon, elles n'avaient que le nom d'ailleurs qu'on leur donnait. Pas de souvenir de mes rentrées scolaires. Ce dont je me souviens par contre, ce sont les longs week-ends où j'étais collée et que je ne rentrais pas chez moi. Ils étaient nombreux. Mes souvenirs de rentrées scolaires sont ceux des rentrées scolaires de mes enfants. Et depuis quelques années, mes rentrées au conservatoire de musique, en même temps que les enfants, puisque pour eux aussi c'est le même jour, depuis que j'apprends le violoncelle. Je pense que j'ai effacé de ma mémoire tous les mauvais souvenirs que j'avais. C'est pas mal, en fin de compte. Et toi, quels sont tes souvenirs de rentrée scolaire? Sont-ils heureux? Malheureux? Avais-tu envie de retourner à l'école? Moi, j'en sais rien. Dis-moi dans les commentaires quels sont tes souvenirs. À très vite!